Commencez là, non. Crève Saint-Érim espère que ce film vous aura fait tout oublier. Sauf d'aller bosser demain tout de même. Après une prise de contact et une séance de Java, entrez dans l'arène. Match 1, c'est dans quelques minutes. Que je vais encore abuser, sans doute. Cessez de vous mettre à l'abri derrière le rideau de fumée de votre cigare. Et meilleur est le cigare, plus clair sont les idées. Rester de marbre en présence de telle beauté, il serait pas un peu ploum ploum tralala notre Colombo? Pensez-vous, il est irrésistible. Oui. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Vous seriez surpris si vous saviez tout ce qui peut parfois se passer en quelques heures. Au cœur de ce moteur, au cœur de cette voiture, découvrez le 21e siècle. Les avantages du nouveau moteur essence à injection directe Mitsubishi s'apprécient non seulement dans notre conduite, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Au volant de la nouvelle Charisma GDI. Mitsubishi Charisma GDI, résolument plus loin. Il existe déjà une Charisma à partir de 499 960 francs. Chérie, c'est normal ce bruit? Hé! Hey, allez chez Speedy! Le contrôle et le devis sont gratuits! Et nous garantissons la qualité de nos pièces! Va donc chez Speedy, Speedy! Elle est là! Vite, je vais craquer! Elle est si jolie! Et attention! Salut! Bonjour! Tu es trop mignon. Merci. Non mais je rêve. Alors, c'est le grand amour? Il paraît que je suis un croquet. Chaume, ta saveur profonde est celle de la terre au sommet de sa générosité. Tu ne ressembles à aucun autre. Chaume, le vrai goût des chaumes. Chez Crusoe, les prix les plus bas, c'est toute l'année. Cette table salon véritable tech, 9 990. Ce meuble pas massif, 7 990. Cette chaise véritable tech et rotin, 3 480. Ce canapé déhoussable, 17 860. Cette armoire bar pas massif, 26 860. Crusoe à Bruxelles, Drogenbos, Froyenne, Gosselies, La Louvière, Liège, Marchand-Famen, Marcinelle, Maisancy, Philippeville, Carnion et Waterloo. Eh oui, votre télé a de la peine. Offrez-lui Canal+. Canal+, ça va vous changer de la télé. Votre rêve serait d'accompagner nos Diables Rouges en France cet été, de vivre leur match au cœur de l'événement. 1-0 pour la Belgique ! Avec Jupiler, votre rêve devient réalité. Gagnez des centaines de places pour les matchs des Diables Rouges et des t-shirts exclusifs. Participez.
participer à la grande action Go Belgium Jupiler dans votre magasin et votre café Jupiler favori. Bonne chance et à bientôt à Paris. On parle français à Rebec, au Québec, à Marché-Dame et au Vietnam. C'est d'ailleurs pour défendre la langue de chez nous qu'Éric Weber représente à Hanoï l'Agence de la francophonie. À suivre ce dimanche, 14h10, dans Les Belges du bout du monde, sur la Une. L'automobiliste est convaincu du fait que plus il va vite, plus la durée de son trajet sera courte. D'où un nombre incalculable d'excès de vitesse, souvent justifié par la célèbre phrase « Vous savez, monsieur l'agent, j'étais pressé ». Mais je ne suis pas sûr que le gain de temps soit si important. Par contre, les risques liés à une vitesse excessive, eux, sont bien réels. Un exemple, rouler à 140 km/h plutôt qu'à 120 pendant 100 km permet de gagner 7 minutes. Impressionnant? Pas vraiment. Par contre, les conséquences d'une vitesse accrue sont très importantes pour la sécurité. Ainsi, si on considère non pas la vitesse mais les conséquences de celle-ci, alors 100 km/h n'est pas le double de 50 mais bien le quadruple. Pour simplifier, disons que l'importance des effets de la vitesse augmente beaucoup plus vite que la vitesse elle-même. Première conséquence de la vitesse, l'accroissement de la distance de freinage. 50 km/h, la distance sur sol mouillé sera de 25 mètres. À 120, cette distance n'est pas de 72 mètres, comme on pourrait s'y attendre, mais d'environ 140 mètres. Une fameuse différence. Le même principe s'applique également aux autres effets de la vitesse. Ainsi, en cas de collision, la violence du choc augmentera elle aussi comme le carré de la vitesse, avec pour effet que le risque d'être gravement blessé ou tué en cas de choc augmente près de 50% quand la vitesse passe de 100 à 120 km/h. Et ce risque est pratiquement doublé si la vitesse passe de 100 à 140 km/h. De quoi lever le pied, non ? Une troisième conséquence de la vitesse est l'augmentation de la force centrifuge dans les virages. Comme une fois encore, cette force est directement proportionnelle au carré de la vitesse. Plus vous roulez vite au moment d'aborder un virage, plus vous avez de chances d'être entraîné dans la bande de gauche, de déraper ou même de partir en tonneau. Ce ne sont pas les professionnels du sport automobile qui nous démentiront. On pourrait citer également d'autres conséquences de la vitesse excessive, comme la fatigue accrue du conducteur, la surconsommation de carburant, l'usure rapide de la voiture et en particulier de certains éléments comme les pneus, les freins. Ceci étant, la vitesse ne ferait pas autant de dégâts si les conducteurs gardaient entre eux des distances suffisantes, les fameuses distances de sécurité. Petit rappel. 2 secondes, telle est la durée correspondante à la distance de sécurité entre deux véhicules. Mais comment estimer cette durée? Rien de plus simple, il suffit de se servir des crocodiles. Vous fixez un point devant vous sur la route. Au moment où celui qui vous précède passe à cet endroit précis, vous commencez à compter. Un crocodile, deux crocodiles. Si vous n'avez pas vous-même franchi ce point au moment où vous finissez de compter, c'est que la distance qui vous sépare du précédent est suffisante. Dans le cas contraire, ralentissez pour allonger cette distance. Vitesse et distance de sécurité, tel est le thème de la nouvelle campagne d'affichage de l'Institut belge pour la sécurité routière. Alors, est-ce dû au fait que le phénomène s'aggrave ou tout simplement au nombre sans cesse croissant de véhicules sur nos routes? Oui, en quelque sorte. Et le terrible accident de Nazareth il y a 2 ans et le récent accident de Requem sont là pour nous le rappeler. Le non-respect des distances est en effet la troisième cause d'accident de la route, après le non-respect des priorités et la perte de contrôle du véhicule. Alors le petit ange derrière nous est là pour nous rappeler donc son importance, ainsi que des spots radio qui permettront aux automobilistes, lorsqu'ils sont sur la route, de se rappeler encore l'importance des distances de sécurité. Respecter les distances, c'est vital, mais rien ne vous empêche de faire encore plus, comme par exemple allumer ces feux stop ou ces feux de détresse en cas de brusque ralentissement. Mieux vaut une solidarité en chaîne plutôt qu'une collision. À la semaine prochaine.
There's never been one quite like this. Unspeakable. Just intense. Une statuette serait le modèle du David de Michel-Ange. Vrai ou faux? Les experts sont partagés, mais pourquoi donc? How surprised to hear Hart make remarks of that nature. It's terrible when art historians never take reimbursement for their efforts. Une enquête digne du meilleur polar, dimanche sur la Une. Java, parce que la Loterie Nationale aime l'art et la culture.